Hey, bonjour à tous et bienvenue sur l'UHC de la Friends Team. Bon, ça fait un petit moment que justement nous n'avons pas tourné du fait que bah moi j'étais en rupture de stock avec KTM. Toi va te coucher, bonjour. Ouah, tu me touches toi, mais je vais t'apprendre le respect, connard. Tire zéro. Je suis pas très chaud ce matin. Bon, oui, alors effectivement, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné du fait que, un, j'étais en rupture. Bon, il commence à me casser les couilles. Voilà. Maintenant, tu peux toujours essayer de me faire quelque chose, ça te fera rien. Coucher. Voilà. Donc, est-ce que je peux continuer? S'il vous plaît, les gars, les... Ouais, il commence à me saouler. La 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 poum, la 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 poum, la 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 la, ouh, voilà. Bon, alors je disais, ça faisait effectivement un petit peu longtemps que je n'ai pas tourné, du fait qu'il y avait KTM qui était derrière. Du coup, bah, j'ai pas repris, je devais reprendre hier, sauf que les imprévus, on les connaît à force, hein. Donc, je ne peux absolument pas... Voilà, Sound Mutant, merci pour le son. C'est que, bah, problème de batterie, ça peut venir tout le temps. Du coup, bah, je pouvais pas revenir chez moi dans l'immédiat. Donc, du coup, bah, j'ai dû bien faire avec. Alors, ici, on est en train d'optimiser qu'elle et moi, mais principalement lui, principalement. Hein. On est en train d'optimiser. Le spawn de mob, mais version Wither Skelet. Et effectivement, ça sonne beaucoup. Puisque hier, quand tu te retournes et tu travailles un peu, t'as cette Wither Skelet qui te dit bonjour. Voilà. Mais on va dire principalement, ça loot tout le temps. Quasiment tout le temps. Hier, il y a eu un change de cocu chez Babouche. C'est que chaque Wither Skelet, il en a buté avec une tête. Ok. Il me les a montrés. Effectivement, il avait bien trois têtes. Hein. Franchement, ça a filmé ce genre de choses, parce que je crois que c'est vraiment le truc le plus rare qui puisse exister. Bon, vu que je n'ai pas beaucoup de... Déjà ? Ah ouais. Il n'y a pas beaucoup de programmes à l'horizon. On va faire un petit tour, petit, hein, vraiment petit. Petit tour chez moi. Alors ici, c'est chez Kel, et moi, c'est encore plus loin. Pip, 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 pouf. Alors moi j'ai marqué via la redstone, puisque effectivement j'adore la redstone comme Zephyr, comme Pierre aussi. On s'amuse dedans, on essaie de créer des systèmes de droite et gauche, ce genre de choses. Alors chez moi j'ai remis mon portail qui va direction la bibliothèque. Ah oui, j'ai oublié un truc. C'est que j'avais un petit téléchargement derrière, c'est pour ça que ça tournait pas aussi bien. Toujours ma ferme à Netherwart, ma ferme cette fois-ci à Punkings, parce que les tartes à citrouille c'est super bon, et ça régène plus qu'une pastèque. Nous avons bah, tout ce qu'il y a dedans. Principalement, ça bah, je vais les recharger avec l'eau. Il fait nuit, ouais, il fait nuit. J'ai mis du verre parce que des fois je suis AFK, donc j'ai pas envie qu'un creeper me dise « Coucou, tu veux que je te baise ?» Non, c'est bon, ça ira. J'ai pas envie de sauter non plus. Du coup, à pas vous prendre au premier degré, naturellement. Bon, voilà. Alors, il y a un... Oh la vache, j'en ai tellement des trucs là. Bâton de blaze, plus d'un stack maintenant, c'est cool. Ça je vais mettre ça là, gunpowder j'en ai 50. Et encore c'est pas les 50 à la tour à mob hein. Faut que je précise hein, parce que il y en a beaucoup. Bon bah c'est cool, ça fait 44. Ah génial. Netherbrick, je sais que je vais foutre ça là. Ah là. Oui et puis j'ai rasé une tour de dans l'end. Donc j'ai mis du verre. Simplement pour protéger, hein, c'est moche, je sais. Normalement, j'avais les connectiques
Texture. Synchronisation verticale, j'en ai rien à foutre. J'ai une large, ouais. Oui, non, je suis con. Ou j'en sais rien. Moi, je sais plus où que c'est en fait. Donc, je m'en fous. Et il y avait l'achievement. Alors, j'ai eu. Cela. Il me reste à découvrir tous les biomes, faire le kilomètre de rail, donc des fois je vais dans des mineshafts récupérer des rails, ça évite de les crafter, hein, pour rien en plus. Bah juste pour avoir un achievement, donc ça sert trop à rien. Monter un cochon, j'allais dire un cheval. Et puis on aura terminé les achievements, voilà. Bon, sinon. Oui, ça c'est ma tête d'hier, voilà. On va aller un petit coup au spawn général, vous montrer un petit peu le world tour, parce que j'ai quelque chose de prévu concernant la redstone. Vous verrez pourquoi juste après. Oh. Ah oui, effectivement, ça a bien avancé ici. Ça, c'est cool. Ouais, de la gunpowder. Ah. En fou, c'est mon portail. Hop. Direction le spawn. Ouais, vous avez vu mon portail, hein, je l'ai bien fait. Hein. Donc voilà, notre sigle FT. La Friends Team. Et puis voilà, bah c'est un petit peu... Vous avez connu la maison communautaire, vous connaissez la maison de crap. Ouais, il faudrait que j'en fasse une comme ça, hein, parce que je suis nul en construction déco. Voilà. Ça doit être tibeuse. C'est un style, hein. Moi j'aime bien. C'est un style. Et on a chacun un style complètement différent. Il y a Monsieur Aka qui continue toujours son... Son Adlaise, petite église par rapport à Roi, hein, mais un confessionnel carrément. Voilà. Si vous avez besoin de vous faire pardonner, c'est ici qu'il faut prendre rendez-vous. Voilà. Je plaisante, hein, mais la maison de Malek Kravan, légèrement moderne au niveau du style, mais ancien avec le bois. Et j'aime bien ça, les petits boutons maintenant qui collent au plafond. C'est cool. La petite maison de ce coup-ci. Ça fait moderne. Hein. Moi, j'aime bien. Là, ça fait steampunk. Et je ne sais plus qui est-ce qui est là. Ok. Lol. Ok. C'est bien. Voilà. Petit world tour. Il y a des maisons derrière. Je vais éviter de trop spoiler parce qu'ils font aussi des petites vidéos. Donc, tout là-bas au fond, il y a le projet de Donna que je vais éviter de vous spoiler parce que. Enfin, on voit pas, j'ai pas le zoom. Il y a des maisons qui se construisent, il y a le pont là qui est super beau. Je ne sais plus qui est le créateur de ce pont, mais c'est super beau. Ça, c'est un truc à tomber dedans. Mode d'enfoiré. Bon, c'est pas grave. La musique plus ça, on va peut-être éviter, hein. Voilà. Puis bah, c'est cool. J'ai mon petit poney qu'on m'a offert. Tour à meubles qui continue toujours, hein. Ça produit, hein. Y a aucun souci pour ça. J'ai la maison de Donna ici, et derrière, il y a quelque chose que vous ne verrez pas. Allez voir les autres chaînes pour découvrir ce que fait notamment Donna. Voilà. Nah. Ma grande Donna. D'ailleurs, il faudrait que je lui donne un beacon, mais il faudrait que j'aille chercher un beacon. Tic. Ça, c'est cool. Je vais mettre une torche. Ouais, deux torches. Oh, je vais pas aspirer. Lol. Alors, il y a des poules, hein. J'ai rajouté des poules. 1, 2, 3, je vais en prendre 4. Voilà. 4, ça fait un stack, quoi.
Des painkits supplémentaires. Un stack de sucre en plus. Voilà. Le système qui permettra de remonter les items tout en haut une fois que j'aurai fait terminer tout ça. J'ai laissé un petit peu à l'abandon ici, puisque pour l'instant je m'occupe de, principalement de ma baraque. Hein. Faut bien s'occuper un petit peu, moi j'en ai un peu marre de faire des systèmes compliqués juste pour de la bouffe qui ne produit pas en plus. Donc, je verrai par la suite. Bon, sinon ça fonctionne bien. La tour à meubles qui produit super bien, super. Super bien. Non mais. Sinon, là-dedans, il y a quoi? Ouais, une glowstone, de la rotten flèche, des flèches. Ok. Bon, bah c'est cool. C'est que ça produit quand même bien. Bah, il y a les poules juste à côté, donc ça produit un petit peu moins, hein, donc c'est normal. C'est quoi ça? Peut-être pour dire coucou, je mets un bit là. Ouais, mais pourquoi il y a ça? Ah, ouais, mais pourquoi il y a ça là-bas, d'ailleurs? Allo, oui? Oh. Oh. Ah, vous faites un zoo, les mecs? Je crois qu'ils font un zoo, en fait. D'accord. Bon. Bon, bah tant pis, en fait. Ça fait combien de temps que nous sommes ensemble? À peine 12 minutes? Ah, ouf. Bon, on va faire un truc supplémentaire. Donc, je fais une petite ellipse et je reviens vers vous très rapidement. Hey, on se retrouve juste au menu principal. Pourquoi? Puisque, justement, je vais faire un petit bâtiment. Ça, c'est le serveur test. Hein. On a un serveur exprès dédié pour ça. Mais, principalement, j'ai un projet en cours qui est de, près de ma maison. Oui, près de ma maison. Je vais faire une sorte de village qui permet justement de... Comment? De faire un village, tout simplement. Faire un village avec une fortification de droite, de gauche. Faire un genre de château avec une ville intérieure. Cependant, il y a une partie qui est en redstone, qui me plaît énormément, c'est les potions. Parce que... je suis généralement donneur de potions directement, officiellement donneur de potions quand on vient par exemple aller voir le Nether, chasser les Wizards par exemple, ce genre de choses. On a besoin de potions, c'est tout à fait normal puisque les Wizards quand ils vous touchent, ils vous infectent l'effet Wizard 2. Hein, donc ça fait un peu mal, des instant health, on en a besoin. Et encore heureusement que c'est pas des lingots, c'est des pépites. Heureusement, parce que ça coûterait cher en lingots du coup. Mais en or surtout, mais voilà. Alors à la base, c'est comment on pourrait dire ça? La petite fabrication de Zephyr. C'était lui qui avait tout réuni en un seul bloc. Sauf que moi. J'ai rajouté des, je vais appeler ça des périphériques. Pourquoi des périphériques? Puisque, voilà, c'est quand on va appuyer sur le bouton, par exemple, ça va me faire du Regen 1 pendant 2 minutes, l'Instant Health 2, soit une Fire Resistance de 8 minutes, soit une Strength 1 de 8 minutes. Voilà. Alors, j'ai fait un petit peu tout le système là, qui permet justement de... Je vais vous expliquer, ça va être plus simple. Vous savez que chaque potion a besoin d'une Nether Wart au démarrage. Dans la plupart des cas, ça a besoin d'une Nether Wart. Donc du coup, j'ai dit que ça, quand on appuie sur le bouton, ça envoie un signal au dropper principal, ce qui veut dire la Nether Wart qui se met directement dans le circuit. Directement. Donc, quand on appuie, ça envoie un signal. Regardez. J'ai fait exprès de la couleur, hein, pour éviter de se tromper. Ça envoie un signal là, qu'il renvoie sur la torche d'Oristone actuelle, qui envoie un signal dans ce bloc-là,
qui lui-même envoie un signal à comment à cette poudre de redstone qui envoie voilà via ici un repeater lui-même activé par là qui envoie un autre signal dans ce dropper. Dans ce dropper, ça émet un signal. Du coup, ça émet un signal dedans. Le dropper donne sa redstone ici au Hooper, mais il le renvoie directement dans ce dropper. Par la même occasion, ça envoie un signal au comparateur qui émet lui. Putain, ça m'énerve ce temps de shot. Wither, oui, bien sûr. Wither clear. Là, qui compare, qui a un item dans ce Hooper, une fraction de seconde, certes, mais à un tick. Pouf, s'envoie dans le dropper principal de l'avenir de la Netherwart. Donc voilà, il y a déjà ce système-là. Tout cela est relié sur le même. Regardez, le vert ici, ça a besoin d'une Netherwart. Pouf, s'envoie ici. Le rose ici également, ça a besoin d'une Netherwart. Du coup, ça envoie quand même un signal dedans. Le rouge, ça émet également un signal puisque j'en ai besoin. J'ai besoin d'une Netherwart et puis c'est tout. Et puis le violet, hein, naturellement, il faut pas l'oublier le violet. Lui-même a besoin d'une Netherwart, du coup ça envoie ici. Également. Voilà. Alors c'est très compact, hein. Là ça fait juste 4 de large. Pour lui dire qu'il y a une Netherwart. Après j'aurais pu faire plus simple. J'aurais pu vraiment le faire plus simple d'une manière que je mette des torches ici, 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 tous reliés sur un seul fil. Je pense que je vais faire ça principalement puisque là ça fout un peu légèrement le bordel. Puisque principalement tout le monde a besoin d'une Netherwart. Donc forcément, quand on appuie, il faut avoir une Netherwart. Donc, je vais me remettre en GM. Non, je vais pas me mettre en GM, encore. Je vais modifier ce système, bien sûr, après, hors caméra, mais dans le principe, je vous dis ça. Ensuite, par exemple, pour la régène. Bon, ça envoie une Netherwart qui va dans le système, pouf, ok. Bien sûr, derrière, il y a tout un système où il y a des bottles, ce genre de choses. Avec un système de remplissage ici. Voilà. Avec un hopper en dessous qui aspire tout. Bon. Alors, sinon. Cette redstone là désactive cette torche. Forcément, puisqu'elle est alimentée. Ça envoie un signal là-haut qui envoie sur cette torche. La torche émet un signal avec du temps. Ici, c'est un inverseur pour éviter qu'il soit tout le temps alimenté. C'est des larmes de gaz. Voilà. Mais également, ici, en fait, il y a 4 tics, ça descend ici. Donc, 1 tic, 2 tics, 3 tics, 8 tics, 12 tics. Parce qu'il faut compter aussi qu'il y a les hoopers. Les hoopers, l'item change de hooper tous les 1 tic. Donc, il faut prendre en compte les 4 tics. On allait voir. Donc, comme c'est du régène 1 pendant 2 minutes, donc c'est pas la régène 2, donc ça n'a pas besoin de bloodstone, ça a besoin de redstone, il faut lui dire que qu'après l'alarme de gaz, ça envoie une redstone dans le système. Donc quand on appuie, évidemment, faut se remettre en 1, là, pouf. La Netherwart, la larme de Ghast et la redstone. Bon, bien sûr des blazes parce qu'il y a un petit problème dans le système qui permet de, bah, qui permet pas en fait. Il me dit que j'ai besoin d'une blaze alors que j'ai pas besoin de blaze personnellement. C'est un peu foireux, je vous l'accorde, mais dans l'idée c'est quand même bien. Par contre, vous voyez, je ne sais pas où est-ce qu'il me demande d'envoyer une Blaze Powder. Puisque ici, ça envoie là, qui envoie là, directement. Obligatoire. Il y a là, qui m'envoie là, qui m'envoie là, puisque j'ai mis un repeater au-dessus pour éviter qu'il renvoie un signal.
Mais je ne sais pas pourquoi il me demande d'envoyer une Blaze Powder. Et les Blaze Powder, elles se trouvent où d'ailleurs? Tout en bas. C'est ici, hein, ouais. Blaze Powder, c'est là. Donc, si c'est là. Là, il y a quoi? Une Redstone? Ouais. Blaze Powder est ici. Pourquoi ça? Ah ou? Ah ouais. Ah je comprends. Oui forcément on active le signal de la Netherwart ici. Forcément ça va éteindre la torche puis ça va la remuer. Donc du coup il y aura un signal qui va y mettre et qui va aller dans la Blaze Powder. D'accord. Et ça sert super bien le Game Mode 3. C'est un truc qu'ils ont rajouté, franchement, ça facilite tout le monde. Et rien comme menu aussi pour dire ce que c'est que ce bloc et aussi à quelle coordonnée. Ça évite de passer dessus et de calculer. Eh bah, c'est cool. Bon, bah, du coup, je sais pourquoi ils me mettent une Blaze Powder, puisque, bah, effectivement, il y a une torche là qui me dérange, en fait. Faut dire ce qu'il y a. Ils me disent ce qui est. Donc du coup voilà. Mais sinon, si on enlève justement ça, fait la régène, il y a la Netherwart, il y a la redstone et il y a l'arme de gaz. D'accord. Après maintenant il y a un problème de tic. Ok, bon je vais tout refaire ça, donc c'est un lamentable fail. Mais bon, c'est faut dire ce qui est, hein, il faut bien un début à tout. Mais bon. Voilà, je suis tout content. Je vais quand même refaire tout le système. Puis la prochaine fois, on va le faire en les git sur l'autre serveur. Et je pense que je ferai une maison rien pour l'interface ici. Et ça, ça sera incrémenté dans le mur. Peut-être le faire dans le Nether en fait. Je sais pas. Parce que les magmas, on trouve dans le Nether. L'alarme de gaz aussi. La gun, on peut la trouver. La glowstone, on la trouve aussi. Nether Wart aussi. Puis le reste, bah, il y a juste à farmer, quoi. Farmer ou... Puis des stacks de redstone, c'est pas ce qui me manque, moi. Glowstone un peu, quand même. Ça, bah, ne... ça manque pas parce que j'ai de l'or. Voilà. Bon, bah, c'était cool, hein. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de... Un petit pouce bleu, hein. C'est pas un pouce vert, c'est un pouce bleu. Ça m'arrange beaucoup. Bah, m'arrange. Non, ça m'arrange pas, en fait. Ça me... en fait c'est plus simple, c'est plus simple, ça me plaît beaucoup, donc n'hésitez pas à liker et laisser un petit commentaire sur les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à tous les autres chaînes de la Friends Team si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter, important Twitter, important. Faites-vous un compte, hein, pour ceux qui l'ont pas, c'est gratuit, t'as pas besoin d'avoir 18 ans pour te faire un compte. Donc tu peux t'en faire un, cas où s'il demande 13 ans, bah tu mets 13 ans et puis basta. Hein. C'est un compte, hein, c'est juste pour suivre mes actualités par exemple, parce que je veux faire en sorte que mes abonnés YouTube aient un compte Twitter qui me permet justement de dialoguer directement avec eux, sans passer par le système vidéo de YouTube. Voilà. Donc normalement ensuite il y a tout qui est dit et il y a juste un fake d'EP Fort. Quand vous faites arrobase EP Fort MC, c'est pas moi. Moi je n'ai pas de MC à la fin. De toute façon vous voyez au nombre d'abonnés. Hein. Putain et ça me casse les couilles ce truc. Je vais mettre une cloque avec Wizardclear à gogo. Arrête vite fait. Donc voilà. Bon bah j'espère que vous avez bien aimé ma petite vidéo. Hein, donc n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, voilà, ça c'est fait. Partagez la vidéo, que j'ai du monde. Je vais atteindre mes 5K, je pense que je les aurai ce soir, hein, mes 5K. Mais au niveau de Medica, il y aura ma tête sur YouTube. Wouhou! Youpi, voilà. Donc, bah c'était EP pour la chaîne d'EP. LOL, Peace and Weston. Hey, mon ami Zephyr, qui est parti en Europe. Faudrait que j'aille le voir d'ailleurs. Allez. Sur ce, ciao tout le monde.